Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage! Et re-YouTube, enfin, c'était hier pour vous la vidéo. Donc là, on continue la traversée. Et on était en train de parler du coup des médias. Enfin, surtout du Vendée Live qui s'était fini d'une manière quand même. Enfin voilà, où c'était pas prévoyant. Donc ça, c'est vraiment dommage de la part de la direction. Enfin, de la part des organisateurs de la course. C'est pas la direction de course, mais c'est les organisateurs de la course qui ont vraiment pas géré là-dessus, quoi. Maintenant, on va reparler d'un petit truc un peu plus positif. C'est la direction de course qui était qualitatif. Franchement, à part peut-être un truc, bon, où on peut penser un peu ce qu'on veut. Après, il y a déjà eu des trucs. Il y a déjà eu des trucs, alors je vais pas en parler, je vais pas en parler plus parce que voilà, mais par exemple, le truc auquel je pense, c'est. Vous vous souvenez de la dérogation de. Pour Merci, donc pour Sébastien Destremo avant le départ. Voilà, je sais certaines petites choses sur la route du Rhum. Et donc je pense que voilà, c'est un petit peu. Voilà, la direction de course, donc qui est Jacques Carès, le directeur de course, connaît un petit peu Sébastien Destremo. Et a déjà affaire à lui sur la route du Rhum. Donc il sait un peu de quoi il est capable, donc du coup, je pense qu'il y a un petit peu de. Du coup, il lui a redonné une dérogation. Mais ce qui fait qu'il a quand même eu deux dérogations pour partir au devant des Globes. Ça a fait un peu polémique. Je peux comprendre que certains trouvent ça pas très réglo. Bon, après, moi, je dis, moi, plus ils étaient au départ, mieux c'était. Hein. Donc, bon. Je suis pas spécialement un grand fan de Sébastien Destremo. Mais qu'il puisse être au départ, ça me gênait pas, quoi. Mais par contre, très bonne direction de course sinon, avec des gens très compétents, dont une personne que je connais, enfin que je connais un petit peu. Très compétents, ils ont bien réagi au moment de l'abandon, au moment de la casse matérielle PRB, donc de Kevin Escoffier. Donc au moment où le bateau a pété en deux et tout, ils ont très bien réagi. C'était vraiment bien géré et tout, enfin c'était vraiment top. On est obligé de bravo à eux parce que c'est vraiment pas facile quoi pour cette direction de course. Une direction de course, c'est vraiment un truc. Avoir la direction d'une course, c'est vraiment un truc assez stressant. Et ils ont extrêmement bien géré ce Vendée Globe. Et donc, franchement, GG à eux quoi. Franchement, bravo. Bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe qui a travaillé jour et nuit pour maintenir la sécurité des skippers. Bravo quand même, on va quand même faire un GG aux organisateurs aussi qui ont fait un super boulot avant le départ quand même. Qui ont réussi à ouvrir un village malgré les contraintes sanitaires, bon qui ont été obligés de le fermer à cause du confinement, mais quand même qui ont réussi à faire quelque chose de bien. Qui ont voulu jusqu'au bout essayer de faire quand même un départ pas à huis clos, mais qui n'ont pas pu faire autrement. Mais voilà, franchement bravo à eux quand même pour tout ça, bravo pour le... Le suivi du départ aussi qui était bien fait, c'était bien fait. Et franchement, ouais, bravo, bravo à eux. Je sais pas ce que t'en penses, toi Mathis, mais je trouve moi personnellement qu'ils ont bien géré tout ça. Je trouve qu'ils ont bien géré tout ça et... Mais vraiment, ouais, bravo quoi. Bravo à toute l'organisation. On va parler un petit peu aussi des bateaux en eux-mêmes. Au final... Enfin, de la course en elle-même, au final, c'est une course réussie parce qu'on n'a pas eu de disparu. Il faut se rappeler quand même que le Vendée Globe, c'est une course extrêmement dangereuse. Et on n'a pas eu de disparu. Et donc, c'est encore une édition sans skipper disparu. Je pense que les plus jeunes, Mathis, toi, tu as 17 ans, tu m'as dit, je crois. Donc, tu es né dans les années après 2000. Tu es né en 2000, je sais pas combien. J'ai la flemme de compter. Oui, il faut vraiment féliciter la direction de course et les organisateurs. Ouais, clairement. Et donc, tu es né après la dernière disparition. La dernière disparition sur le Vendée Globe, c'est 97. Vendée Globe 87-97 avec Jerry Roof.
Depuis, on a eu zéro disparition. On peut franchement dire bravo pour ça. Bravo pour ça. Je connais quand même les malheureux disparus. Oui, oui, bah oui, tu connais, mais t'as pas vécu. Moi, j'ai pas vraiment vécu non plus parce que c'était en 97. J'étais pas encore passionné. Je peux refermer les lumières. J'étais pas encore passionné, mais j'en ai vraiment entendu parler. Et on peut vraiment féliciter le fait que bah, on n'ait pas eu de disparus sur cette édition, quoi. Alors que bah, on a quand même eu une situation très chaude avec level up pour Matisse. Tu es premier level 38. On a quand même eu une situation chaude avec Kevin Escoffier. Et il s'en est sorti. Faut franchement féliciter la sécurité de ces bateaux. Ils sont quand même extrêmement. Il y a beaucoup de sécurité à bord. On a plusieurs balises de détresse. On a deux. Je crois que c'est deux RIB, donc deux radeaux de survie. On a les combis sèches. Enfin, les combis de survie. On a vraiment beaucoup de choses pour être en sécurité. Et franchement, bah c'est juste top, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être dramatique. Mais clairement, moi j'avais vraiment peur. Surtout quand Jean Le Cam l'a trouvé une première fois, l'a reperdu de vue et qu'après la nuit est tombée. Ouh. Là vraiment j'avais peur. Hein. Je me disais le lendemain on va apprendre qu'il est disparu, quoi. J'étais vraiment très inquiet, quoi. Après je savais qu'il y avait plusieurs bateaux sur zone et tout, il y avait même un avion je crois. Donc je me disais bien qu'on allait finir par le retrouver. Mais vraiment j'avais vraiment peur qu'on nous annonce bah, qu'il était disparu ou qu'on l'avait retrouvé. Enfin voilà. Surtout la zone où on était, la zone où ils étaient, c'est vraiment une zone très dangereuse. Et voilà, j'ai vraiment eu peur. Mais ça s'est bien passé. Parce que les bateaux sont sécus, parce que les bateaux sont bien sécurisés, parce que les bateaux sont relativement solides. On a vu là le problème avec PRB. Le problème de PRB, c'est que c'est un bateau qui a été prévu à l'origine déjà pour être très léger. Extrêmement léger, c'est-à-dire que je vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'avant en fait était en mono comment on dit déjà, monobloc, enfin monolique. Donc en fait, c'était du carbone, vraiment que je crois que c'était que du carbone. Et en fait, le truc c'est que c'est extrêmement léger. Mais il y a sûrement un petit problème de solidité. Oh là, il y a eu une montée du vent là. D'un coup, j'ai eu un bruit plus fort. J'ai peut-être pas fait exprès. Et donc, il était extrêmement léger. Et je pense que ce genre de bateau n'est peut-être finalement pas forcément fait. Enfin, ce bateau-là n'est peut-être pas forcément fait. Était peut-être pas forcément fait pour les foils. Enfin, on voit que de toute façon, même sans les foils, il avait déjà des problèmes de structure. Peut-être que c'était un bateau qui avait été cherché un peu trop loin. Je pense. C'est un bateau qui avait peut-être été cherché un peu trop loin. On pensait à une époque que c'était vers ça qu'il fallait aller. Parce que c'était un des. Il était comme. Le Safran de l'époque. Donc, qui est actuellement le MACSF. Donc, Isabelle Josque. Et donc on avait vu des bateaux ultra légers, un peu comme les aussi Vienne Bimayenne. On allait vers ce genre de bateau à cette époque, c'était en 2010. On allait vers ce genre de bateau ultra léger, enfin voilà, on est vraiment été par là, parce que ça fonctionnait très bien. Mais ça finissait pas très bien les courses aussi. Enfin ça finissait bien les transats, c'était très bon sur une transat, par contre je pense que sur un Vendée c'est pas bon. Je pense que c'était des très bons bateaux de transat. Parce que c'était court, ils n'avaient pas trop le temps de se dégrader à fond. Par contre, sur un tour du monde, ils sont pas très bons. Ils finissent rarement. Pour moi, le VNB est actuel, m'a l'air bien fragilisé après toutes ces casses. Ouais, en fait, je pense que ce genre de bateau, donc VNB, alors Safran, il a fini. Donc Safran, c'est peut-être un peu. Safran, ça va encore. Enfin, là, il a cassé, mais. Enfin, le. Elle a cassé ses. Qu'est-ce qu'elle a cassé déjà? Elle a cassé ses Veranki, mais bon, ça c'est. Ça peut arriver à tout le monde. Mais Safran, ça va encore. Par contre, VNB et PRB, bah c'est des bateaux qui sont vraiment à fond dans la légèreté. Et c'est des bateaux en fait pour moi qui sont très bons pour une transat. C'est-à-dire qu'ils sont ultra légers pour une transat, ça déboîte, vraiment. Ça passe vraiment très vite. Par contre, sur un tour du monde, ils sont pas assez solides. On l'a vu, un PRB, il a gagné des transats Jacques Vabre.
Mais il a jamais fini le Vendée Globe. Ah bon, une fois il a heurté une bouée. Bon, ça c'est pas de sa faute. Mais la deuxième fois, je crois que c'était un problème. Alors je crois qu'il a encore heurté quelque chose, je sais plus, en 2016-2017. Mais bon, il avait encore un problème. 2000, là il se casse en deux. Enfin, voilà, il y a vraiment des... Je sais pas, c'est des bateaux, ça, je m'interroge sur ce genre de bateau. Je m'interroge vraiment sur ce genre de bateau. Est-ce que c'est vraiment des bateaux qui sont faits pour un tour du monde? Est-ce qu'ils sont pas trop légers? Est-ce qu'ils sont... Voilà, ceux-là, je me pose vraiment la question. Très bon bateau de 30 par contre, pour faire des tours du monde. Je pense que là, tu vois, il y a VNB qui est à vendre. Je pense qu'il va avoir du mal à le vendre. Si c'est pour un Vendée Globe, je pense qu'il va avoir du mal à le vendre. Personnellement, je partirais pas sur un bateau comme ça pour un Vendée Globe. Après, c'est un avis. On va faire une petite vue extérieure. Oh là, ça rame un peu, là. Donc, à voir un peu comment... voir un peu. S'il repart dans 4 ans, faut voir s'il arrive la même chose, quoi. Parce que là, il a failli lui arriver, en fait, la même chose... Il y a 4 ans en fait. Il a commencé à se fissurer en deux. Il a réparé à temps, donc il s'est pas cassé. Mais ça aurait vraiment pu mal finir. Ça aurait vraiment pu finir comme il y a 4 ans quoi. Et ça aurait été triste, franchement. Parce qu'en plus Maxime Sorel, voilà, il méritait vraiment de finir. On a eu aussi quand même des belles histoires sur ce Vendée Globe, je trouve. Et notamment les skippers qui n'avaient pas fini leur premier Vendée Globe et qui ont pu le finir. Bon, on va passer sur Yannick Bestaven qui, il y a en 2008, abandonne, est un des premiers à abandonner et là gagne le Vendée Globe. Bon, voilà, ça c'est dans les veines. Et sinon, on a aussi Thomas Ruyan qui a 4 ans, bah, justement sur l'actuel VNB Mayenne, casse en deux et là finit son Vendée Globe. Franchement, bravo. Qui n'avait pas fini aussi il y a 4 ans? On a plusieurs skippers comme ça qui n'avaient pas fini avant et qui là ont fini. Et c'est juste franchement génial quoi. Et on en a qui ont voulu tenter une deuxième tentative, comment il s'appelle, Sébastien Destremo, et qui n'a pas fini cette fois-ci. Mais en fait, Sébastien Destremo, son problème c'est qu'il a voulu faire comme il y a 4 ans, c'est-à-dire je me pointe un petit peu à l'arrache. Alors bon, après il y a 4 ans, c'était pas vraiment de sa faute, il avait dématé et tout, donc il avait des circonstances. Là, il avait pas trop de circonstances selon moi. Donc il s'est un peu pointé en mode à l'arrache, il a essayé de partir. Bon, il a quand même fait un demi-tour du monde, ça va. Mais bon, c'était ça pue quand même un peu l'abandon dès le début quoi. Ça pue un petit peu l'abandon dès le début quand même. Donc voilà. Mais sinon ouais, on a eu quand même quelques skippers qui ont pu finir leur premier Vendée Globe. Et franchement bravo les gars quoi. On a eu aussi des beaux exploits. Alors il y en a un qui s'est fait descendre, mais je suis désolé, mais moi je vais le défendre. C'est Arnaud Boissière qui a été descendu pareil par les Voilix. Parce que là faut vraiment être un Voilix pour descendre Arnaud Boissière. Pour le dire que Arnaud Boissard ne sait pas naviguer, Arnaud Boissard est un mauvais coureur et tout. Déjà, il faut pas avoir bien suivi le Vendée Globe. Parce qu'on voit que peu après le départ, il avait quelques soucis qui lui ont fait qu'il a pris du retard. Mais surtout, faut se rappeler qu'Arnaud Boissard vient quand même de finir 4 Vendée Globe d'affilée. 2008-2009, 2012-2013, 2016-2017, 2020-2021. Franchement, Arnaud, il a géré. Il est peut-être pas, il est pas devant et tout, mais il a géré. 4 Vendée Globe d'affilée, c'est exceptionnel quoi. On va me dire oui, mais regarde Jean Le Cam, il en a fini 4 aussi. Ouais, mais pas d'affilée. Il a fini le 2004-2005, il a pas fini le 2008-2009, il a fini 2012-2013. Et 2016-2017 et 2020-2021. Il devrait rien dire car c'est le seul qui a fini tous ses Vendée Globe d'affilée. Ben oui. C'est exceptionnel. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il pense déjà au prochain. Il veut déjà faire le prochain. Il est déjà dans sa tête, il est déjà reparti pour le prochain. Hein.
Il est dingue. Il est dingue. Mais il est adorable comme mec. Hein. Mais il est dingue. Mais voilà, c'est juste exceptionnel. GG aussi à Jérémy Bayou. Mais Jérémy Bayou, mais franchement. Qui a fini un tour du monde. Il partait pour la gagne. Il revient. Il repart 9 jours derrière. Il remonte une partie de la flotte. Et celui, il le finit son Vendée Globe, quoi. Il le finit. Ça a dû être un cauchemar pour lui. Mince, il me fait n'importe quoi. Ça a dû être un cauchemar pour lui. Et au final, il l'a fini. Mais rien que pour ça. C'est beau, quoi. Franchement, c'est beau, quoi. Alors, je sais que certaines personnes l'ont descendu aussi. Merde, on est en train de passer au large du Havre. Je viens de me rendre compte, on est en train de passer au large du Havre. C'est pas grave, on va en panner et on va... En fait, devant là, ce qu'on voit... On va aller un peu le long des côtes. On a un peu de temps. Donc là, ce qu'on voit devant, c'est les côtes jusqu'à Cap d'Antifer, par là. Il a fini son Vendée Globe, mais du... Bravo Jérémy, quoi. Et j'espère que dans 4 ans, il sera là. Et Jérémy, pareil, c'est son deuxième Vendée Globe d'affilée. Fini. Il a fini, il y a 4 ans, il a fini 3ème. Là, il a fini 11ème, je crois. Oui, grâce à ce Vendée Globe, il a pu apprendre de sur lui-même. Exactement. Et surtout, ce que je trouve dingue, c'est que Jérémy, en finissant là, aussi va pouvoir amener la parole des aventuriers chez les compétiteurs. 13ème, ok. Il va pouvoir amener la parole des aventuriers chez les compétiteurs. Parce que généralement, il y a un petit monde entre les... Il y a les compétiteurs d'un côté et les aventuriers de l'autre. Et là, il a pu parler avec les aventuriers. On a vu par exemple qu'il a parlé à Manuel Cousin. Il a parlé à d'autres skippers qui vivaient en fait leur course de derrière. Il va pouvoir parler d'eux aux skippers qui font que la course. Et ça, je trouve ça franchement bien, tu vois. C'est franchement une bonne chose, je trouve. Et donc on va peut-être avoir une petite réconciliation entre les deux. Enfin même c'est pas la guerre entre les deux, mais on voit que par exemple il y en a qui ont tiré un peu dessus, tu vois. Là on a dit pour le prochain Vendée Globe on n'a pas le droit d'avoir un poteau d'avant 2004. Donc les aventuriers vont être un peu gênés, quoi. Mais là avec ça, peut-être que dans 4 ans ils diront pas maintenant c'est ceux d'avant 2008. Parce que ça aurait pu être ça, tu vois. Et là non je pense pas. Parce qu'on a quelqu'un qui va leur dire, attendez, mais en fait, maintenant je comprends pourquoi ils le font, quoi. En fait, maintenant, Jérémy Bayou comprend pourquoi les mecs font le Vendée Globe en mode aventure. Ce que j'ai bien aimé avec ce Vendée Globe qui s'est passé un peu en mode où ceux qui devaient être largués ont été pas totalement largués, c'est que ça a fait taire les gens qui faisaient les spécialistes avant le départ. Et qui disait il y a que les 7 premiers là, les 7 bateaux neufs qui sont intéressants, plus 2-3 bateaux de l'avant-dernière génération, et le reste c'est du folklore. Ce mec là, je l'ai pas revu du Vendée Globe. Le mec, je l'ai pas revu du Vendée Globe. J'avais retenu son nom, hein, je l'avais même noté, hein, pour voir. Quand j'ai vu comment ça commençait à tourner, j'ai retourné sur le truc, j'ai noté son nom. Je l'ai pas revu du Vendée Globe, le mec. Je pense que le mec était en mode oups. J'ai dit une connerie. Un peu ce mec disait, ouais, je suis spécialiste, je suis passionné et tout. Bah écoute, mec, voilà, ferme ta gueule, quoi. Je suis désolé, mais ferme ta gueule. Mais bon, après, on a eu d'autres spécialistes autoprogrammés de la course large, et c'était limite pire. Hein. Bon, du coup, je vais empanner. Alors, hop, je vais revenir à bord. On va empanner pour retourner vers le Havre. Parce qu'on arrive presque au bout de ce que j'ai à dire sur ce Vendée Globe. Mince, hop. J'avoue que je parle et je fais pas trop. J'ai pas fait trop attention à la route. On va arriver par le cap de la F, c'est pas très grave. Hop, gîte. On va pouvoir y aller. Allez, let's go.
Hop. Git, on rentre le file et on incline la key. Voilà, c'est parti. Et de quoi, du coup, c'était c'était jouissif de le voir, de plus le voir parler. Mais bon, on a, j'ai vu aussi des trucs. Par exemple, j'ai vu quelqu'un dire que Kojiro Shirashi était décevant. Faut se rappeler que Kojiro Shirashi a quand même fait quasiment tout le tour du monde avec une grand voile déchirée. Qu'il avait réparé. Juste pour moi, ça voilà, c'est. Respect au mec, quoi. Respect au mec. Respect au mec, donc voilà. Mais des commentaires comme ça, j'en ai vu tellement, on va pas revenir sur tous, mais. J'ai un peu peur que dans 4 ans ça refasse la même. Et franchement, ça m'embêterait que ça refasse la même. Ça m'embêterait qu'il y ait de nouveau des commentaires comme ça. Mais je sais que malheureusement, ça risque d'arriver parce que bah, le Vendée Globe va continuer à être médiatisé. Et voilà. Une autre chose qui a plutôt été surprenant, je trouve. Enfin, je trouve que les chronos ont été plutôt. Bah, c'était assez homogène quand même, hein. Le premier a mis 80 jours, je crois. 82 jours, je crois. Un truc dans le. Je sais plus. Alors, je me rappelle plus du chrono du premier. Bon, on peut regarder. Je peux regarder ça en direct, au pire. Hop. Le premier a mis un peu plus de 80 jours. Et le dernier en a mis 117. Donc, au final, il n'y a pas eu un gros écart. Je trouve. Après, c'est mon avis. Donc le premier a mis 80 jours, voilà, c'est ça, 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Et le dernier a mis, le dernier, a mis 116 jours. Donc c'est vraiment un écart minime, quoi. Je trouve, c'est vraiment un petit écart par rapport à d'habitude. Et c'était plutôt une bonne chose, je trouve. Autre chose qui a été bien, c'est qu'on a vu des bateaux, des gens qui finissent, qui abandonnaient, mais qui finissaient quand même leur Vendée Globe. C'est-à-dire, on a vu par exemple, bah, c'était Samantha, les deux femmes en fait, les deux femmes qui ont abandonné, Samantha et Isabelle, qui abandonnent. Alors Samantha, c'est vraiment exceptionnel, elle abandonne à Cape Town, elle repart pour finir son tour du monde. C'était quand même quasiment tout un tour du monde à finir hors course. C'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment bravo à elle. Et Isabelle, vraiment j'étais très déçu pour elle sur son abandon aussi. Et elle finit quand même son Vendée Globe. Donc franchement GG, quoi. Franchement GG à elle. Maintenant on va parler un petit peu aussi du virtuel, des courses virtuelles. Virtual Agatha, plus d'1 million de joueurs, malheureusement moins de la moitié qui finissent. C'est toujours un peu comme ça, mais c'est toujours assez malheureux. Dommage qu'ils mettent pas une rallonge, une petite rallonge là pour que les gens qui sont encore en course puissent finir. Pour avoir un peu plus de monde, mais là bon, ça se finit demain. Du coup, enfin ça se finit aujourd'hui pour vous la vidéo. Quand vous verrez la vidéo, là en stream, nous on sait, ça se finira demain. Et Sayuwei, grand succès aussi, hein. Sayuwei, 200 skippers au départ. Plus. Moi j'ai fini 380e. Ah bien joué, t'étais devant moi du coup. Mais Sayuwei, grand succès aussi, 200 au départ. On est plus de 100 à l'arrivée. Franchement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Le serveur de Sayuwei par contre, ils ont pas suivi, hein. Au départ c'était vraiment la panique totale. Je pense que Richard ne s'attendait vraiment pas à ça. Et j'étais bien content qu'on lui mette une PLS, qu'on mette les trucs en PLS, c'était franchement cool. Une course disputée, enfin c'était franchement mon premier Vendée Globe sur Sayuwei, ben franchement génial. Et c'était une belle course, intéressante, et du coup je trouvais ça super intéressant qu'on voit que ce soit assez suivi, quoi. Que ce soit assez suivi. Je suis désolé, faut que je boive un coup là, j'ai vraiment la gorge trop sec.
J'ai. Alors désolé, du coup j'avais oublié de remettre le son. Donc je disais qu'on avait eu un truc qui m'avait déçu, c'est on n'avait pas eu beaucoup de passages du Cap Horn. Donc oui, ça va et toi, Rétienne, parce qu'il y a Rétienne qui est arrivé dans le chat. Donc on n'a pas eu beaucoup de passages du Cap Horn à vue malheureusement. Alors, on va enrouler parce qu'on arrive là. On n'a pas eu beaucoup de passages du Cap Horn à vue, mais on a quand même eu des passages émouvants, même si celui dont j'allais parler était un passage à vue. Donc celui de Armel Tripon qui a vu le qui est passé à vue du Cap Horn et qui c'était un passage assez émouvant. Mais sinon beaucoup d'images sur ce Vendée Globe, c'était même limite compliqué à suivre des fois. Même moi j'avais du mal à suivre des fois, vraiment. Donc c'est un des côtés un peu pervers de la médiatisation à outrance, c'est que c'était limite des fois compliqué à suivre. Si tu voulais vraiment tout suivre, c'était extrêmement compliqué. Moi, il y a des vidéos que j'ai pas vues, clairement. Parce que, bah, beaucoup de vidéos. Énormément de vidéos. Et donc, bah, vraiment dur à suivre. On va se mettre face au vent pour affaler. Hop. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment eu du mal à suivre certaines choses. Mais le problème, c'est qu'on demandait au skipper de faire beaucoup de vidéos. On leur demandait un certain nombre de vidéos. Donc, bah, ils l'ont fait, quoi. Merde. Bon, collision, c'est pas grave. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Mais des fois, c'était compliqué à suivre, quoi, quand même. Hein. Donc, ouais. Petit point négatif là-dessus. Donc c'est un peu les côtés pervers de la médiatisation, la forte médiatisation, mais bon. Il faut bien qu'il y ait une retombée pour les sponsors. Autre chose assez positive quand même, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de sponsors assez fidèles. Alors on a eu quelques sponsors qui se sont ramenés et qui sont déjà repartis. Enfin surtout un, l'Occitane, on en a énormément parlé. Après les autres, je sais pas. J'ai entendu des chiffres à 60% de sponsors qui resteraient. Enfin, 60% de projets qui resteraient. Donc, c'est plutôt une bonne chose. 60-70% de projets qui continueraient après le Vendée Globe. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais parce que d'habitude, il y a quand même pas mal de. Les années post-Vendée Globe, c'est des années qui sont assez stressantes pour la classe IMOCA. Parce que c'est des années où beaucoup de bateaux où beaucoup en fait ne repartent pas en fait. Où il y a beaucoup de bateaux en fait qui sont à vendre et qui bougent pas. Et là bah, d'après ce qu'on peut voir, bah, va y avoir beaucoup de bateaux en fait qui vont continuer à naviguer. Et qui vont continuer avec des sponsors. Donc ça c'est plutôt une excellente nouvelle pour l'après-Vendée Globe. Et donc on espère que dans 4 ans bah, il y aura le même succès. Parce que ça serait plutôt pas mal. Voilà. Bah du coup on aura fait 2 fois 30 minutes pour la VOD YouTube. On va juste aller se mettre au mouillage. Donc pour YouTube on va bientôt s'arrêter. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas les fermetures sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un stream. Là, actuellement, je suis en stream sur la chaîne Toria la chaîne. N'hésitez pas à venir sur les streams. Et n'hésitez pas aussi à dire des choses qui vous ont plu ou pas plu sur le Vendée Globe dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, j'y réponds s'il y a besoin. Et donc, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé ou pas aimé sur le Vendée Globe. Moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais aimé et pas aimé. Et voilà, et on en a profité pour une petite traversée. On est arrivé au port d'attache du bateau au Havre. Et voilà. Et du coup, bah, on va se mettre au mouillage ici. On va s'arrêter ici. Et voilà. Et du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou pour un prochain stream. Allez, à plus YouTube.